Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alizée et je suis conseillère chez Mademoiselle Bio depuis 8 ans. Aujourd'hui, je suis ravie de faire cette petite vidéo pour vous présenter ma routine raffermissante. Bien sûr, en complément de la routine que je vais vous présenter, j'essaye de manger équilibré, de faire un petit peu de sport, de bouger, pour vraiment optimiser la routine. Tout d'abord, je vais vous montrer comment je prépare ma peau à recevoir après les soins que j'applique. J'alterne entre deux gommages, dont le Melvita, l'or rose, qui est un gommage très très doux à base de sucre. Euh, qui va exfolier tout en douceur, que euh, j'utilise tous les trois jours à peu près sur peau humide, euh, et qui va aider à enlever euh, les petites peaux mortes euh, qui peuvent bloquer la pénétration des crèmes que j'utilise après. Mon petit chouchou, euh, c'est le deuxième gommage que j'utilise, c'est le Skin and Tonic euh, au café et au sucre. Il sent vraiment super bon, on est sur une odeur d'épices et d'orange. Euh, si vous êtes comme moi, addict des gros grains, il est juste exceptionnel. Euh, Celui-ci, je le travaille plutôt sur peau sèche, tout simplement parce qu'il va vraiment euh, stimuler un petit peu plus la circulation sanguine et venir lisser la peau. Euh, ce qui est bien, c'est que quand vous humidifiez euh, vos mains pour le travailler, après quand vous rincez, vous avez une peau vraiment extrêmement douce. Bien sûr, comme le Melvita, je prends ma douche juste après. Euh, comme ça, ma peau est prête pour les massages. Au niveau du massage, j'utilise deux accessoires bien distincts pour deux actions différentes. Euh, le palper de chez Boulado, qui est là vraiment pour euh, drainer. Quand j'ai des sensations de jambes lourdes, je commence à avoir euh, un peu plus de cellulite aqueuse qui apparaît. Euh, J'utilise euh, le, le Boulado pour avoir vraiment un, une sensation de, de soulagement immédiat. Idéalement, on l'applique des chevilles jusqu'en haut de la jambe et on est vraiment sur un mouvement très doux. On n'appuie pas du tout. Et on vient vraiment drainer. Il y a vraiment une sensation de soulagement immédiate qui est juste géniale. Et quand je veux vraiment euh, une action, euh, aussi drainage mais surtout brûleur de graisse raffermissant j'utilise euh, l'huile de chez Indemne Libérer l'orange celle-ci euh, c'est ma préférée vraiment c'est celle l'huile la, la, la plus efficace euh, parce qu'on a une action vraiment en profondeur on peut l'utiliser aussi bien en massage manuel que grâce à la Big bubble je vous avoue que je suis un peu plus adepte de la Big bubble euh, tout simplement parce qu'on va vraiment avoir une action en profondeur et beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus intéressant de l'appliquer plutôt le matin. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que ça va vraiment venir euh, activer le déstockage des graisses. Et dans la journée, vous allez bouger. Et du coup, vous allez utiliser ce que vous avez déstocké le matin. Donc, pour libérer l'orange de chez Indem. On vient vraiment mettre beaucoup d'huile au niveau de la cuisse ou de la zone à traiter. Ensuite, il est important toujours de bien appuyer pour commencer le mouvement de ventouse. Et ensuite, on va venir remonter. Et on fait toujours du bas vers le haut. On appuie pour faire relâcher la bubble. Et on remet. On peut faire des mouvements soit lisses, soit en zigzag, on appuie, on relâche et on refait. Donc là, c'est vraiment pour relancer le déstockage et pour venir vraiment lisser, éviter d'avoir cet aspect peau d'orange. Et le dernier mouvement, on peut tout à fait le faire en rotation. Pour une action un peu plus en profondeur euh, sur les conseils de ma naturopathe, j'utilise des produits en interne. Je commence toujours euh, ma cure par le minceur brûleur de chez Natureland, tout simplement parce que ça va vraiment aider au déstockage, drainer. C'est une action euh, que je vais faire sur 20 jours. Donc là, on est sur un format ampoule et j'utilise une ampoule par jour le matin. Ensuite, euh, surtout à chaque changement de saison, donc euh, après l'été et au printemps, j'utilise le jus de bouleau de Véleda. Euh, c'est hyper pratique parce que ça va aider à éliminer toutes les toxines qui peuvent s'être accumulées soit tout au long de l'été, soit surtout après les périodes de fête. Euh, ce qui est bien avec le jus de bouleau, c'est que vous pouvez le prendre soit le matin euh, à jeun avant le petit déjeuner, soit le prendre une bouteille d'eau carrément dans la journée. Et ça vous aide à boire suffisamment d'eau euh, dans la journée. Et il y a vraiment une action détox euh, tout au long de la cure. Mon petit chouchou pour finir ma cure euh, vraiment détox minceur, c'est le guarana de chez Guayapi. Celui-ci, je l'adore tout simplement parce qu'il aide à maintenir mon poids. Euh, et il va donner vraiment beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Et il aide également à euh, stimuler. Euh, les défenses immunitaires. Donc, quand on a un petit coup de fatigue ou qu'on veut juste stabiliser son poids, le guarana c'est hyper complet et euh, c'est pratique, juste euh, quelques comprimés le matin et c'est tout. Si jamais vous n'avez pas le temps de faire toute cette petite routine raffermissante, je serais ravie de vous accueillir dans nos instituts Mademoiselle Bio où euh, nous pratiquons les soins indemnes. Les soins raffermissants et minceurs de chez Indem. Donc, il suffit juste de prendre rendez-vous et on serait ravi de vous accueillir. Voilà, vous connaissez toutes mes petites astuces sur ma routine raffermissante. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. À bientôt au magasin. Au revoir.